Ah, je vous l'avais dit, c'est très difficile avec cette musique de faire une intro normale sans que je chante. C'est peut-être chiant, je sais pas, mais moi j'aime bien. Dans tous les cas, oui, bienvenue pour l'épisode 46 de l'aventure suivie sur Bethan Kethos. A mon avis, maintenant ça va être un épisode de chaque dieu ou alors deux dieux, un épisode. On verra comment sont fait la suite du niveau. Oui. J'ai complètement oublié à la fin de l'épisode, je vous avais parlé. Ah oui, je voulais vous montrer au fait à l'intro de l'épisode précédent les pioches et tout ça. Effectivement, je ne l'ai déjà pas fait. Du coup, je répare cet épisode maintenant. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir un petit peu ma pioche. Bon, maintenant vous connaissez quand même sacrément bien les Magnus, je pense. Donc je vous montre juste vite fait comme ça. Voilà, quelques trucs. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent s'y intéresser. Je sais que pour certains, non, vous vous intéressez qu'à l'histoire et pas forcément. Vous voyez pas cette aventure suivie comme une soluce, d'ailleurs moi non plus, mais certains le pensent comme ça, alors j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Oh putain, ça va vite ces machins. Par là, hein. Ok. Bon, c'était plutôt simple finalement. Ah mon dieu, est-ce qu'il y aurait un coffre? Il y a une lumière. Il y a un coffre. Pourquoi ce coffre est à gauche? J'espère qu'il n'y avait pas d'ordre. Il y avait une lumière aussi dans le précédent. Ah oui, d'accord. Ah, les bâtards. Eh bien, on fera ça tout à l'heure. Putain, je sais toutes les combinaisons, le... Bon bah tant pis, maintenant on sait ce qu'il faut faire. Et nous voilà en face d'un nouveau boss. Ça va, ils sont très... Ils sont pas espacés comme des tarés, genre une énigme à la con. Tu mets une heure pour affronter le prochain boss. Bien, bien, bien. Eh bien j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et c'est parti, nouveau combat. Ils changent les musiques à chaque fois, il me semble, hein. Ouais, ouais. Ah, c'est cool qu'ils ont fait ça. Oh là là là. Non, j'ai oublié le... Vous avez compris, j'ai oublié le coup spécial. C'est pas grave. Alors moi je vois un... Oh putain, le time. À 3, à 4, à 7, je sais plus compter, ça m'énerve. Non, 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 j'avais appuyé sur le joystick jaune là, mais. Il me l'a pas compté. Tombi, tombi. Oui, il fait quoi lui? Ça ressemble à du. Du temps. Oui, c'est ça, ouais, c'est carrément du temps. Ben, moi, enfin, je me suis bien défendu. Du temps. Oh mais tu vas avoir mal avec ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ah, cette fois tu crains l'eau. Bon, tu n'es pas la même personne, du coup tu ne comprends absolument pas ce que je dis, mais ya. Ah oui, mais prout. Prout, carrément prout, ouais. Un gâteau. Défense de vent. J'ai envie de rien enlever, hein, sincèrement. Ah si, peut-être ça. Bon, du coup, ça bousille mon combo, mais c'est pas important. 1200, ça va, tranquille.
Alors, moi je vois bien de l'eau. Ah, mais je voyais pas du tout ça. Moi. Oh oui, de la bonne défense. Ça va aller, on va pas trop abuser sur les Magnus à utiliser. Étincelle du temps. Allons l'enfesser. Ah mais carrément quoi. Carrément c'est un enfessé. Putain mais j'ai rien. Ah et en plus il continue d'attaquer. Le pauvre petit corbeau. Oh, tu vas pas t'y remettre? Oui, sérieux? J'ai bien fait de le soigner. Ouais, je voudrais bien virer les défenses, mais je me dis que s'il m'attaque, j'aimerais bien me défendre aussi, quoi. Eh hey, t'es vivant? Ouais t'es vivant! Allez, on te soigne un petit coup. Et tu pourras attaquer comme une brute la prochaine fois. Ouais. Un cristal en fait. Ouais. Hadouken. Ouh, il a fait mal. Savina. Un peu de soin. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que qu'en fait mes pioches sont vachement bien construites à... C'est pas pour me vanter, hein, mais... c'est... On voit bien l'équilibre que je voulais donner au tout départ de les soins, tout ça. Les soins, les défenses, l'attaque, les armes qui peuvent se défendre, tout ça. Ouais. Ah, il est blessé. C'est le moment d'y aller, Savina. Genre comme une brute. Mais genre...
Brutal. Je suis d'accord. 6, 7, 8 et 9. Ah, c'était pas encore assez comme une brute. Non, il va se soigner. 2100. Bien, bien, bien. Et eh ben, on va continuer à y aller. Ouais, combo, ouais. Ah, c'est vrai que Gibari, avec juste 5 Magnus, c'est vraiment limite. Hein. Oh, 999. Ouais, il y a du 6, ouais, il y a pas mal de 6. Il y a du 3 aussi. Et du 6. Ouais, mais c'est du 6 de... Non, pas du 6 de trèfle. C'est pas ça que je voulais dire. Ouais, ça c'était pitoyable. Défense! 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 Pas défense. Ouais, prout. Voilà. Voilà ce que j'en dis de tes attaques. Du vent. Ah mais... Gibari, je crois que tu vas avoir l'honneur de lui mettre le coup de grâce. Ou pas forcément. Si. Avec une provocation. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, ça va, si c'est boss finalement. J'avais un léger souvenir qu'ils étaient plus compliqués à l'époque. Gibari, Jési ultime. Jésier. Jésier ultime. Ce coup ultime d'eau est maîtrisé par Gibari. Gibari piège l'ennemi dans un tourbillon mortel à la manière d'un Jésier jaillissant des entrailles de la terre. Ça a l'air juste épique. On va le mettre tout de suite. La lumière verte. Bien, bien, bien. Alors, Gibari, pioche. Trouvez. Truc qui défonce tout. C'est quoi? C'est de l'eau, hein? Oui. On dirait pas trop avec les effets. Eh ben, j'irais bien à la place d'un... d'un Magnus. Poison, glace. Ouais, j'irais bien un truc de... Voilà. Bien, bien, bien. Mais attends, ces boss, ils sont 5. On a que 6 membres. On a 6 membres dans notre équipe. Oui, bon. Peut-être que... Ah, le... Je crois que j'ai sur un mineur. Bon, essayons qu'il soit pas trop puissant, qu'il en fait il soit juste grand et qu'il fasse peur. Non, 5. Ok, oh, merde, j'ai paniqué. Oui, c'est ça, augmente ton attaque, voilà, tu feras semblant de me faire mal. Ou... Bah, attaque, mec. Ça a l'air ridicule pour l'instant, ça. Oh ! Ah oui, mais c'est parce qu'il a un bonus d'attaque aussi. De toute façon, il va pas attaquer deux fois. Voilà. C'est un gentil toutou. On va lui en mettre des 1 plein la gueule. Ah, va falloir improviser, là. Il y a pas mal de 4. Non, en fait, non. Ah, il y a un 1. Bon, bah, 1.
Je l'ai gelé. Oh yeah, la classe. Ah, je l'ai. Ah oui, j'ai. Dis donc. Ah ouais, trois alter. TG. Allô? Oh, mais en fait, oui, il faisait plus super que qu'autre chose. Oh, c'est dommage parce que trois altérations. Oh. Putain, ça me choque là. Ok. Bon, bah, ouais, finalement, il faisait plus peur qu'autre chose. On va aller chercher le coffre. Qui est à gauche. Attends, je me souviens plus comment il vient, lui. Ouais, tranquille. Facile, tranquille, les gars. Putain, il revient vite quand même. Hein. Toi, tu me gênes, donc je passe directement. Allez, encore. Je sais plus si c'est par là, mais... J'ai une idée au pire. On reprend le même téléporteur. Ninja! Voilà, on monte. Voilà, on remonte. Voilà. On descend... Ouais, je m'en doutais un petit peu celui-là, mais... C'est pas grave. Ninja. Ah non, j'aurais dû... Non, rien du tout. Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, cette et puis sept. J'arrive ou Kalas a dit time to collect le loot. Enfin, the loot. Oui. Ok. Ouais. Oh putain. Vite, on descend. On prend le coffre. Et finalement, on l'aura eu ce coffre. Ah, bah le voilà. Je me disais, ah, mais merde, dis donc, il n'y a que 6 personnages. Seigneur du vent. C'est pour Sheila, ça. Kalas. Oh non, du vent pour Kalas. Les gars. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, on va le mettre. À la place du pouvoir d'eau. Bon, bah, au pire, maintenant qu'on a un pouvoir du vent, autant lui mettre un peu plus d'épée du même élément. Je voulais éviter un petit peu ça, mais bon. On voit qu'un coup spécial fait ça. C'est sûr, on y réfléchit à deux fois. Lui enlever un peu de ténèbres, ma foi, oui, pourquoi pas. Oh, et pour une cette épée en fait. Voilà. Bien. On réutilise ce téléporteur. Ah oui, du coup, c'est juste un hasard en fait qu'on n'ait pas pu prendre ce coffre au moment où on y était. Parce que si j'avais... Enfin, un hasard. Si j'avais choisi d'aller d'abord dans le lieu où il y avait la lumière et après de venir ici, on n'aurait pas eu de problème.
bon bah voilà, ça c'est un hasard. Coïncidence tout à fait normale. Ok, 20 minutes, et eh ben je vais pas aller plus loin que ça. Oui, je sais c'est court, mais vous inquiétez pas. Je fais la suite immédiatement. Vous aurez l'épisode suivant le plus rapidement possible. On sauvegarde. Bam. Et voilà voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite très rapidement. Du coup c'est plus rapidement vu que je viens de mettre une pause. Ok. Je l'ai refait. Bon et bien tout simplement je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon où vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt pour l'épisode 47. Pour le troisième duo.